tellement pas bon. Voyons. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé, mais je pense que ça va être une première série pas de PB. Ah, presque! Non, j'avais pas besoin de faire ça. Ah, merci Sam. Salut vite, comment que ça va? Je pose la question à Sam en même temps. Théâtre comme pause. Ah! Wow! C'est ça la fête que tu veux, t'es rendre dans tes rangs. On sauve encore du temps, les boys, on sauve encore du temps! Thank you.
Wow! Wow, juste wow. Ça, c'est du time save. Merde. Un petit peu de mémoire à me souvenir où est-ce qu'il faut que je passe encore dans cette vidéo. J'ai perdu du temps, tu as un ennemi que j'avais pas besoin de tuer en pause. Sur Nintendo, aussitôt que c'est Disney, c'est Capcom qui a fait le jeu. Ça, c'était bon pour autant pour le Spinning que le Nintendo 8-bit. Fait qu'on parle de jeux comme DuckTales et Chip and Dale, comme qu'est-ce que Vid y parle. Mais on parle aussi de. De Darkwing Duck, de Looping. C'est Tailspin le jeu, là. Looping, c'était le nom en français de l'émission. Deux fois de suite, je l'ai ce jump-là. Il est assez. Il est au pixel près, mettons. Ah! Ce jump là aussi, il est au pixel près. Nice! Ça sent pas le PB, je suis tout le temps proche d'en faire une erreur. Tout le temps.
j'ai pas réussi de damage boosted. Faire une. Ben, coudonc, t'es pas parti pour ça, mais PB les boys. Regardez mon Sum of Best en plus. Il est égal au PB à Terran. Si je serais pas mort, j'aurais eu encore un meilleur temps avec ça. Ouais, PB. Non, c'est vrai, les jeux de Mickey Mouse c'était pas fait par Capcom, t'as raison. Mais en fait, c'est les films puis les émissions du samedi matin qui étaient faites par Capcom. Mais aussitôt que ça avait rapport à Wild Blood. En fait, aussitôt, je pense que ça avait rapport avec un des personnage de Disney en dehors d'un de ces shows-là ou de ces films-là, c'était pas Capcom qui les faisait. Ah, sérieusement, vite, là, je te le conseille. Si tu cherches